2018, c'est bientôt, non? Amen. Qui veut être béni en 2018? Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. C'est intéressant. Amen. Amen. Mais vous savez qu'on ne rentre pas comme ça en 2018. Hein? Tout se prépare. Dis à quelqu'un, tout se prépare. Amen. Vous voulez rentrer dans une nouvelle année? Amen. Il y a des portes, tout se prépare. Ce que tu vas avoir en 2018 dépend de ce que tu feras maintenant pour rentrer en 2018. Amen. Si rien n'est fait, tu ne veux pas posséder 2018. Il y a des gens qui ont déjà réservé des boîtes de nuit, des champagnes, le 31, et on les croit. Janvier! Quand j'étais encore très jeune, le 1er janvier, je sors pour voir sur la route comment les gens sortent des bars. Janvier! Il vomit. On l'attrape. À peine il part. Janvier! Nouvelle année. Premier jour, regarde comment tu commences dans Carnivore. Et tu te réveilles le 4. Boisson, j'ai fêté. C'est comme ça ton année sera. À qui appartient le temps? C'est la question que je vous pose. Dieu le maître des temps, c'est pour lui le temps. Ah non, quand il m'a donné la nouvelle année. Mais attends, faut traiter avec lui. C'est comme ça que tu vas lui dire merci, pas la boisson. Tu as fait ça tout le temps, tu as vu quoi? C'est la même chose qui arrive. Non, je suis content. C'est comme ça que tu fais ça. Moi, chaque jour est fête chez moi. Fête, là, c'est quoi? C'est pas manger poulet. Ou bien, c'est ça que tu vas faire. Fête, c'est quoi chez vous, mais fête? C'est manger, non? Alors, manger. Tu peux fêter ça chaque jour. Non, tu attends le 31. Et comment tu fêtes le 31? La transition entre l'ancienne année et la nouvelle année. Mais j'ai un secret. C'est ce qu'on appelle la passation de service, le cahier de charge. La nouvelle année vient, n'est-ce pas? Et cette ancienne année-là donne un livre pour dire, continue avec ça. Vous comprenez? Donc, il faut un secret de la transition. La transition, il y a toujours un secret. C'est cette transition-là. C'est ce qui va déterminer 2018. Comment tu prépares ça? D'autres se disent, il faut que je parte là. Il faut que je parte là. Mais l'aspect spirituel de 2018, c'est ignoré. C'est pour cela que chaque année, on a les mêmes problèmes. On a les pressions. Qu'on a les mêmes problèmes. Quand vous voulez rentrer dans une nouvelle année, la nouvelle année dépend de vous. Si vous voulez que ça soit une bonne année, ça dépend de vous. Dis à toi, dis à quelqu'un, si tu veux que une année devienne une bonne année, ça dépend de toi. Alléluia. Il faut traiter celui qui a pris à partir de 2018. C'est Dieu. C'est pour lui 2018. Donc la première des choses, c'est de faire une alliance avec lui pour lui dire, je reconnais que l'année 2018 t'appartient. Moi, je te consacre, j'allais dire, je te présente 2018. Il y a combien de mois en 2018? Il y a combien de mois dans l'année? Hein? 12 mois, n'est-ce pas? Chaque 3 mois, l'homme évolue. C'est pour ça que vous allez voir que des stages qu'on pas fait, des stages dans les entreprises, on va vous demander 3 mois de stage. Après les 3 mois, on dit ok. Parce qu'après 3 mois, justement, l'homme est volé. Tu peux connaître la capacité des gens. Si vous voulez, vous avez une servante chez vous à la maison, après 3 mois, vous pouvez savoir. Dans une relation, après 3 mois, vous pouvez déjà connaître déjà des choses. Après 3 mois. Après 3 mois, vous pouvez voir déjà l'évolution d'un bébé. Après 3 mois. Ici même, je pense qu'après 3 mois, on en va déjà la crèche, n'est-ce pas? Hein? C'est ça? On le dépose là-bas 3 mois, il dépose derrière la crèche. Je peux vous expliquer un peu certaines choses.
Donc, chaque trois mois, j'ai une évolution dans la vie d'un homme. Chaque trois mois. Donc, c'est vraiment stratégique. Et il y a combien de mois, combien de trois dans les 12 mois? Très bien. Il y a quatre, non? Je vais vous toucher un peu la numérologie biblique. Le chiffre 4, c'est quoi? C'est quoi? Vous connaissez pas? Moi, le chiffre 7, c'est quoi? Ça, vous devez connaître. Le chiffre 7, c'est quoi? Le chiffre 7, c'est. Le chiffre 7, c'est quoi? Le chiffre 7, hein? 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 Elle dit quoi, quoi? Quoi? C'est quoi? Mais divin, là, ça veut dire quoi? Oui, l'accomplissement. 7, c'est quoi? C'est pas mauvais. C'est le chiffre de la perfection. Dieu travaille avec les chiffres. Il y a 12 tribus d'Israël. N'est-ce pas? Jésus a eu 12 disciples. Il n'est pas au-delà, il a fait 12 disciples. Donc les chiffres, là, c'est important chez Dieu. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Les 4 piliers. Quand on veut faire une maison, c'est les 4 piliers qui vont nous intéresser. Donc le chiffre 4, donc ça dit que dans l'année, là, il y a un chiffre qui est très important. Vous trouvez le 3 fois, 4 fois. Et à partir du premier, 2, 3 et 4, c'est les 3 jours, les 4 jours qu'on rêve la nouvelle année. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Moi, je suis prophète. Hein? Amen. Je ne suis pas pasteur. Les pasteurs, chacun a son enseignement. Moi, je suis prophète. À partir du premier, 2, 3 et 4, c'est les 3, 4 jours de la nouvelle année que l'année se règle. Vous allez me dire comment, c'est pas ça? Hein? Vous avez la Bible? Prenez la parole de Dieu. Je l'ai déjà enseigné à Paris, je vous enseigne. Amen. Marc 4, le verset 14. Une autre personne prend l'évangile de Jean, le chapitre 1, Marc 4, le verset 14. L'évangile de Jean, à partir du chapitre 1, si vous y êtes, on prend la lecture. Qui a trouvé Jean? Qui a trouvé l'évangile de Jean? Hmm? Jean? Et Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'évangile de Jean, le chapitre 1, tiens le micro. Écoutez très bien, je vous donne les secrets. Hmm? Le secret. C'est ça qui va arranger beaucoup de choses. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Jean, au chapitre 1, à partir du verset 1. 1 à 3. Au commencement était la parole. Écoutez, on dit quoi? Au commencement était. Ça veut dire que, en toute chose, la parole est importante. S'il y a un début, le début doit être accompagné par une parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Mm-hmm. Toutes choses ont été faites par elle. Mm-hmm. Et rien de ce qui a été fait n'a été faite sans elle. Très bien. On dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est-à-dire, on ne peut rien faire sans la parole. Amen. C'est tout, c'est ce que ça veut dire. Vous rentrez ici en Suisse, vous ne parlez pas à la terre de Suisse. Vous avez joué. Dès que je rentre en Suisse, Dieu dit, je prends témoin le ciel et la terre. La terre a des oreilles. Prenez Deutéronome, le chapitre 32. Vous allez comprendre. La
La terre des Suisses est faite pour les Suisses. Ce n'est pas fait pour toi qui quitte Agnès et Gribaud. Donc cela, pour avoir papier ici, il faut faire une demande de résident ou de quoi. Et puis tu regardes, puis tu dis, il faut quitter devant moi. Toi, tu ressens même manger de ticriti. Sors d'ici. Tu as été marié pour papier. Maintenant, c'est moi qui a mis sur l'auberge. Deutéronome 32. Ça veut dire qu'en toute chose, il faut utiliser la parole. Il faut utiliser la parole. Le verset 1. Je lis la parole de l'Éternel. Cieux, prêtez l'oreille. Où va notre prière? Et je parlerai. Je suis en train de vous montrer ce qu'on appelle les mystères. C'est ce que j'enseigne là, ce qu'on appelle les mystères. C'est différent. Vous savez, quand vous êtes dans une classe, chacun est un professeur dans une matière, n'est-ce pas? Amen. Le pasteur va venir vous dire, il ne faut pas aller chercher tant de gens. Et ils aiment bien ça, n'est-ce pas? Et c'est leur ministère. Nous, on vous enseigne comment rentrer dans la réussite. Amen. C'est comme ça que nous, les prophètes, ce que tu dois faire, le secret, c'est ce qu'on pensait. Il dit, cieux, prête l'oreille à ma... Et je parlerai. Donc, ça dit, le ciel, il prête l'oreille à nos prières. Amen. Allons-y. Terre. Écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se repentent comme la pluie. Alléluia. Amen. Dans la terre, a besoin des instructions que tu leur as données. Un peuple est rédigé par rapport à sa terre. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Vous savez pas ce que les gens ont fait? Mais ça appartient aux Ivoiriens. La terre guinéenne appartient à la Guinée. Que tu veux ou pas, les Guinéens. Vous savez pas ce que les gens ont fait? Donc, tu es guinéen, tu es d'abord respecté sur ce territoire. Tu es juste répété sur ce territoire. Maintenant, il faut que la terre accepte toi le manger de divinité. Il faut que la terre là, décide. Parce que tu viens de l'autre côté de l'Afrique et l'Afrique bouge avec toi. Amen. Pour t'intégrer, c'est sur le plan spirituel. Il faut que tu parles à la terre. Et que la terre exécute ce qui a été déjà dit comme une loi. Viens et s'ébranle et prends ta position. Vous avez dit, écoute mes instructions. Or, la terre que vous voyez, c'est une silence. Allons-y. Dans Marc 14. Non, Marc 4, verset 14. On peut me dire. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Si vous connaissez les mystères, rien ne va vous effrayer. Si vous connaissez les mystères, rien ne va vous effrayer. Oui, allons-y. Luc, hein, Marc 4, le verset 14. Marc 4, le verset 14. Je lis la parole de l'Éternel. Marc 4, le verset 14. Le serpent. Le semeur sème la parole. Alléluia. Amen. Le semeur sème la parole. Amen. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Tu as mis Igna en terre. C'est Igna que tu vas avoir. Tu vas venir chercher manioc. Je suis désolé. Si tu n'as pas semé, tu ne vas pas récolter. Pourquoi vous cherchez? Vous voulez récolter ce que vous n'avez pas semé? Pourquoi? Vous voulez récolter ce que vous n'avez pas semé. Pourquoi? On récolte ce qu'on a semé. La terre a besoin de la semence. Sème. Et le semeur sème là-bas. La terre, vous voyez, a des oreilles. Nous dit Deutéronome 32. Nos parents avaient ce mystère. Ils savaient ça. Ils avaient cette révélation.
C'est cela qu'il parlait souvent à la terre. Il n'y a rien de démoniaque dedans. Rien de démoniaque de donner des instructions. Parce qu'il y a eu des hôtels. Il y a eu des hôtels sataniques. Il y a eu des hôtels qui ont été montés sur ce pays, sur cette nation. Qui fait que l'euro appartient aux Européens et le franc CFA appartient à nous qui sommes dans l'Afrique de l'Ouest. De telle sorte que la monnaie euro ne doit pas trop traîner dans nos mains. Ça doit appartenir, ça pourrait la monnaie. Même si c'est joli à voir. Je vous pose la question. Quand on fabrique les billets, quel pasteur est là-bas? C'est un imam qui va prier là-bas ou un saint pasteur? Vous savez ce qu'on dit ici, ça? Point d'interrogation. C'est tout? Pourquoi c'est si important pour ça? Plus les gens tuent les gens à cause de l'argent. Vous savez ce que les gens disent ici, ça? Pourquoi quand ça vient venir, ça s'en va? Ça a besoin d'une parole pour se stabiliser, c'est tout. Quelque chose a été dit. Toi, tu veux. Vous savez, le chrétien a le pouvoir de délier et de lier. On a ces deux pouvoirs. Donc, 2018, en train de venir. Mais il faut s'aimer. C'est ce que tu veux. Il faut commencer à parler. À 2018. Vous voulez récolter ce que vous n'aimez pas. Au contraire, tu as s'aimé. Janvier. Désolé, tu vomis. C'est le vomissement que tu vas récolter durant toute l'année. Comment tu es janvier pour te soulever? Mon ami. Odeur de poisson. Les femmes souffrent. Le gars vomit. Et puis souvent, il aime tout, il fait par là. Il n'a pas de force, son pied là-bas trop vite. Ça c'est drip, il a terre, sa nuque est blessée. Et le semeur sème la parole. La vie, on ne joue pas avec ça. Ce sont ceux qui vivent. C'est ça que la Bible dit, soyez les hommes qui marchent selon l'esprit. Soyez esprit, soyez les hommes spirituels. Voyez le côté spirituel de 2018. Ne voyez pas le côté charnel de 2018. Voyez, ce sont ceux qui sont spirituels qui possèdent 2018. Ce sera que le chiffre 4, il est vraiment important. Le 1, le 2 et le 3, le 4, le chiffre. Dès que vous rentrez en 2018, le 30e, c'est une transition. Gloire à Dieu. Vous voyez 2018, c'est une proclamation que vous devez faire. Cette proclamation, à partir de 5h du matin, avant le lever du soleil, allez sur une plateforme. Chez vous, c'est comme il y a neige. N'est-ce pas? Il y a neige aussi ici, hein? Je ne sais pas si le 30 va neiger. Il va beaucoup neiger. Amen. Vous trouvez une plateforme, vous prenez votre bouteille d'onction, vous parlez à la terre. Sortez de la maison. Parlez à la terre suisse. Parlez de vos projets. Ça, c'est le premier jour, à 5h. Vous finissez ça, rentrez. Le deuxième jour, faites la même action, à 5h du matin. C'est une action. Moi, je suis prophète. Prenez la Bible. Deux chroniques 20-20. Il y a ce qu'un prophète enseigne et puis il y a ce qu'un pasteur enseigne. Deux chroniques 20-20. Moi, je dis, si Jésus-Christ, il n'y avait pas de secret. Pourquoi les juifs, je vous pose la question, pourquoi les juifs qui utilisent la Torah, la Bible, la Torah, eux, là, ça marche. Ils sont prospères et puis nous, on n'est pas prospères. Parce qu'eux, ils sont dans les secrets, les mystères. Ils ont la révélation des choses. J'ai toujours dit à un juif, quand un juif veut commencer un commerce, il fait d'abord une offrande avant de commencer le commerce. Il ne commence pas le commerce comme ça. Non, je suis désolé. Il prend son argent, il va faire une offrande. Et puis il vient commencer le commerce. Et Dieu bénit le commerce. Pourquoi? Parce qu'il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit, il a commencé par le ciel. Donc si je commence par le ciel va envoyer la pluie sur mes affaires. Donc, je commence à traiter avec Dieu une alliance et puis Dieu arrose mes affaires. Mais nous, on attend d'abord que ça marche avant de faire. Mais ça, c'est pour ça que ce n'est pas béni nos activités. Pourquoi elles sont bénies? Pourquoi? Quand vous voyez un juif, il n'est jamais pauvre. Pourquoi? Ils ont le secret. Nous, on a la lettre. Nous, on lit seulement. Jean 3, verset 7, Dieu aimait le monde, il a donné son fils unique.
Ils ont le secret de la prospérité. Il vient dans un quartier, comment posséder les rayons du quartier, comment avoir toute la richesse. Il a le secret. Et puis il s'installe. C'est chez lui qu'on doit venir payer. Deux chroniques, bien, bien. Là-bas. Je lis la parole à l'Éternel. Deux chroniques, bien, bien. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoza. De quoi? Il n'y a pas d'aide. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous verrez, et vous serez affermis. Il dit, confiez-vous en Dieu, vous serez quoi? Affermis. Affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Vous comprenez, non? Dieu vous sera affermi et à ses prophètes vous réussirez. Donc les prophètes ont acquis la réussite. Vous avez compris? Amen. Amen. Quelle est l'action que vous menez? C'est l'action que tu mets qui détermine les choses. Alléluia. Amen. Ma fille, faut t'asseoir. Alléluia. Amen. Donc, quand je rentre en 2018, à partir de la transition entre le 30e et le 1er, à partir de 5h du matin, ce qui va m'intéresser, c'est l'année 2018 que je dois poser. Posséder. D'accord? Or, c'est ce que je sais que je dois récolter. Tu as tous tes projets déjà. Et tu aimerais que tel projet. C'est comme ça moi je suis. Ouais. Frère, si une année arrive que tu n'es pas ambitieux, tu n'as pas de projet, tu n'es pas un être humain. On a 2018. Qu'est-ce que tu aimerais? Je ne sais pas où. Je veux que ça vienne. Ce que Dieu donne, je prends. Tu as possédé. Bien te délivrer. Tu es très possédé. Hey, tu sais pas ce que tu veux? Non, tu n'as qu'à donner les preuves. Tu es possédé. Un homme sans vision est un homme sans frein. Je sais ce que je veux en 2018. Moi, j'ai fait mon projet. Je dois faire l'ouverture de l'orphelinat en 2017, 14, en février. Je dois ouvrir Baruch, ma structure. J'ai positionné tout ça. J'ai vu le fruit. J'ai vu. Parce que j'ai semé. Non, j'ai récolté. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Amen. Donc, les actions que vous menez, c'est ce qui a un impact chez vous. Alléluia. Donc, le 30e, la transition entre le 1er et le... Parce que les gens, ils pensent que c'est pas partout, on prie. Sinon que Jésus-Christ, le malade qui avait été né aveugle, n'est-ce pas, l'aveugle né, Jésus allait l'imposer les mains. À un moment donné, Jésus a pris sa salive et puis l'appliquer les... Lise, Mathilde, dis-moi ça. Est-ce qu'on suit un peu? Je vais vous donner le secret. Comme on se réparle le 31, j'aimerais que l'année prochaine, chacun ait une petite voiture au moins. Amen. 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 Chacun ait beaucoup d'argent. Chacun ait sa maison. Et ait du travail. Amen. C'est possible. Toujours n'est pas travail. On n'a qu'à vous imposer les mains. On n'a qu'à vous faire dormir. On n'a qu'à vous... On a qu'à... Jean le chapitre 9, écoutez. Jean le chapitre 9. Parce que il faut connaître Dieu. Il faut connaître les mystères. C'est pas partout Jésus a prié. Il y a eu les actions que Jésus par moment a menées. Jean le chapitre 9. Quand vous maîtrisez les mystères, rien ne peut vous arrêter. Rien. Moi, 2018, je sais ce que je veux. Et j'aurai ça. Parce que je suis prêt d'avoir ça. J'aurai ça. Tu vas parler, tu auras ça. Tu auras ça. C'est que tu veux là, tu auras ça. Pour que tu sèmes. C'est tout. Jean, à partir de. Lis à partir du verset 1. Allons-y, continue. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Parce qu'il est né aveugle.
Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents. Ce n'est pas lui ou ses parents, je vois. Ce n'est pas lui ou ses parents est péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, écoutez, on dit après avoir dit cela, écoutez très bien. Il cracha à terre. On dit Jésus cracha à terre. Et il fit de la boue avec sa salive. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit. Il lui dit. Va. Va. Et lave-toi au réservoir de Siloé. Et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retrouva voyant clair. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que Jésus a prié pour lui? Hein? Est-ce que là, il a prié pour lui? Non. Ah bon? Il a fait ce qu'on appelle une action prophétique. Amen. C'est tout. Ou Bartimée, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit, Seigneur, je veux retrouver la vue. Il dit, que cela soit fait selon ta foi. Amen. Et Bartimée a retrouvé la vue. Vous comprenez? Mais pour le monsieur, Jésus dit, il prend la boue, il prend sa salive, il fait la boue, il applique ça sur les yeux de l'aveugle. N'est-ce pas? Or, le vêtement de Jésus guérissait les malades. La femme qui avait peur de sang, pendant 12 années, elle a seulement touché le vêtement de Jésus, elle était guérie. Pourquoi Jésus ne dit pas à l'aveugle, touche mon vêtement pour que tu sois guéri? Parce qu'il y a la guérison dans mon vêtement. Mais les choses ne se ressentent pas. Or, Jésus, il est prophète. Il est prophète, Jésus. Donc, il est dans les actions prophétiques. Donc, il dit, Dieu l'inspire, c'est ça, c'est dans l'action prophétique. Dieu l'inspire pour dire, crache. Je pense que les pasteurs qui aiment insulter les gens, si c'était autant, là, ils allaient insulter Jésus, ils allaient m'insulter, c'est pour l'insulter. Ils allaient l'insulter. Il y a quoi de spirituel dedans? Vous comprenez? Dans la boue, dans la poussière, avec sa salive, c'est sale en plus. Et puis, il mélange la boue et il applique ça sur les yeux d'un aveugle. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Pour dire, c'est pas souvent, on a souvent besoin des actions prophétiques. On a souvent besoin des actions prophétiques. Parce que pendant que vous parlez à la terre, vous renversez ce qui a été fait contre vous. Parce que l'ennemi positionne les choses sur la terre. Il positionne les choses sur la terre. Et ça vous prend comme des pièges. Ça ne fait pas avancer. Donc pendant que vous parlez sur cette terre, vous parlez à la terre, vous sémez les choses sur cette terre. Pour dire désormais, il faut que les choses soient comme ça. Toute fois que je marche sur cette terre, il faut que les choses soient comme ça au niveau de l'année 2018. Et que les choses se passent comme ça. Et c'est ce que tu as sémé que tu vas récolter. Puisque la parole est une sémence. Tu le fais le premier jour. Ça, c'est le premier jour. Amen. Tu manges bien ton poulet. Le 2, à la même heure, tu lui fais la même action. Le 3, à la même heure, tu vis toute une bouteille d'une onction. Le deuxième jour, toute une bouteille d'une onction. Le troisième jour, toute une bouteille d'une onction. Le quatrième jour, même chose. Et après ça, tu exploses toutes les bouteilles. C'est une action prophétique. Pour un pasteur, il ne va pas comprendre ce que je dis. Parce que les pasteurs et nous, c'est différent. C'est pour ça que Jésus était incompris. Jésus était tellement incompris que les gens l'insultaient. C'est fini. C'est ce que tu as déclaré qui va arriver. Vous avez compris? Amen. Sinon, priez, Seigneur, le 31, j'ai prié. Oh, j'en viens, on se salue, j'en viens, accolade. Toute l'année, tu n'as pas eu enfant. Toute l'année, tu là-bas, voiture. C'est là où on dit, mais monsieur, toi là, il faut que tu sors du travail. Toi là.
Allez, sors. Amen. Il m'a bien saisi. Amen. Donc, les actions prophétiques. Pour terminer, je vais vous expliquer quelque chose. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ce que je dis? Amen. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Vous venez sur un territoire, que ce soit en Autriche, que ce soit en Espagne, que ce soit partout où vous rentrez, il faut traiter avec la terre de ce pays. Il faut traiter avec le sol de ce pays. Il faut commencer à parler à la terre. Tu prends l'avion, tu descends en Afrique, et tous les pièges que le diable a fait contre toi, la sorcellerie, pendant que tu pars, tu détruis ça. Parce que la Bible dit là où tu fouleras les pieds, et tu tombes en héritage. Mais quand tu veux posséder quelque chose, il faut déclarer que tu as la chose. Amen. Si tu ne dis pas ça, tu n'auras pas cette chose. Amen. Amen. Quand je rentre en Suisse, je commence à parler à la Suisse. Amen. Donc tous les esprits de Suisse commencent à se soumettre à moi. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Faites l'expérience, vous allez voir. Nous allons nous revoir, vous allez me témoigner ça. Amen. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si tu n'as pas sèmé, tu ne vas pas récolter. Quand tu n'as pas sémé quelque chose, toi tu penses que tu dois récolter, tu es fâché. Mais tu as sémé quoi? Frère, tu as sémé quoi? Luc 10 et 4, verset 14 dit, et le semeur sème la parole. Et on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et rien n'était fait sans la parole. Comment tu veux commencer une nouvelle année sans la parole? Tu dis rien, tu proclames rien. Tout ce que tu fais, j'ai rien. J'ai joué, on t'attrape. D'autres mains sont blessées dans l'espadra. Son œil vite l'a brisé ça. La Sainte Soleil confond tout. Miroir, porte, vitre, tout ça, c'est brisé. Comme ça, il est content. Il a fêté. Tu es content, non? C'est que tu as aimé là, tu vas récolter. Tu vas récolter ça. Tu vas t'asseoir pour pleurer. Maintenant, tu vas courir vers les prophètes. Je ne sais pas, les sorciers sont venus. Les sorciers. Quand tu buvais ton champagne. Nous, on souffre. Hein? On souffre. On souffre trop. Au lieu de régler cette période-là, l'action, au lieu de régler ça avec Dieu, qui est propriétaire du temps, il dit qu'il faut t'asseoir là. Assieds-toi, moi et bois d'abord. Johnny Jack Daniel, je bois. C'est quand il est saoulé. Ben c'est janvier. Il y a deux qui disent c'est la prime. C'est le jour où je bois, je suis saoulé. Ou je dois insulter les gens. C'est pas le jour où je dois insulter les gens. Ah non. Pourquoi vous ne mettez pas la spiritualité, les choses spirituelles. Regardez les juifs. Les juifs, ils ne se mélangent pas avec n'importe quoi. Les juifs, leur affaire de prière. Leur affaire de prière. Mais regardez comme ils sont prospères. Quand tu considères la spiritualité, les choses, tu l'as. Mais vous voulez avoir les choses de la chair. Et puis après, vous êtes étonné, surpris, que vous avez des malédictions. Vous partez des séries de malédictions en malédictions. Mais c'est ce que tu veux. Combien de fois tu as fait janvier? Combien de fois tu as bu ton champagne? Combien de fois? Et tu as eu quoi? Rien. Les années se ressemblent. Ce n'est pas normal. Tu n'avais pas une case au pays. Tu donnes l'argent aux gens qui bouffent ton argent, ça, ça fait plus mal. Ah, ça fait mal, hein? Parce que neige, là, c'est pas camarade de quelqu'un. De toute façon, ça fait mal dans la paume. Et puis, ton jossi, et puis le gars, il est là, il bouffe ton argent. Pourquoi c'est toi, toujours ton argent, ça n'aboutit pas? Pourquoi toujours tu n'as pas de travail dans un pays comme ça? Dis à quelqu'un, les choses doivent changer. Là, le gars, il ne comprend pas le gratteur. Il dit, hein, il n'est pas dans le système. Dis à quelqu'un, les douches, les choses vont changer. Il faut mettre le gratteur dans le gars, hein.
Voilà. Il faut le mettre dans le système, il va comprendre. Dis à quelqu'un les deux choses, les choses doivent changer. Amen. Pour l'expliquer, bon, il va bien comprendre. Vas-y, il ne comprend pas. Les choses changent, puis il parle, il dit un. Alléluia. Amen. 2018, que ça soit pour vous une année de gloire. Amen. Et de bénédiction. Amen. C'est tout. Moi, je sais ce que je veux avoir. J'ai déjà sélectionné ça. J'ai déjà mis ça sur papier. J'ai déjà mis mes trucs sont là. Quand la nuit, je mets un peu mes actions. Dieu est un Dieu de l'alliance. C'est ce que tu fais. Ce que tu fais, là, l'action, là, c'est ça que Dieu se tient pour te bénir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dites amen. Amen. Amen.